like a lonely man. Without me, you're not like everyone. That's his way I chose you. You're the one who can make me happy. Bonsoir à tous et à tous, c'est Monsieur Lol, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui les amis, je suis heureux de vous retrouver sur un jeu que j'avais rarement fait, j'avais eu l'occasion de le faire en stream mais ça avait complètement bugué. En tout cas merci à tous d'être là, je vais faire la présentation. Salut à toi Noah, salut Thibaut, salut Tabi, salut Transport, salut Siroc, salut Roi Rivo, salut mon petit Steve, comment tu vas? Salut GG, ben voilà, tout simplement, c'est bon, j'ai fait le tour. J'espère à tous que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Tram Simulator, un jeu que je n'ai pas encore fait. J'espère en tout cas que le stream va fonctionner parce que la dernière fois que j'avais lancé ce jeu, ça avait bugué. Voilà. Donc on va voir. Il y a eu des nouvelles mises à jour qui sont arrivées depuis quelques mois sur ce nouveau jeu. Et j'espère qu'il va vous plaire. Voilà, moi ce que j'aime dans ce jeu, c'est que pour moi c'est un jeu chill. En fait, c'est-à-dire que on est dans notre tramway. On avance, on fait attention à la signalisation, on fait monter les voyageurs. Et en même temps, je pourrais vous parler en même temps. Donc voilà, pour moi, ça me facilite encore plus les choses que, par exemple, avec OMSI ou ETS ou les choses comme ça. Voilà. Bah écoutez, on va commencer dans pas longtemps. Bah écoutez, moi, je vais très bien. Voilà. Et puis, donc sur ce jeu, il y a beaucoup de DLC aussi, à savoir... pour l'instant, j'ai pas acheté de DLC encore parce que je vais voir si ça vaudra vraiment le coup avec le temps. On va voir ça, voilà. Du coup les amis, aussi j'ai oublié de vous dire, là je stream sur YouTube et sur Twitch également. Si vous voulez avoir du rendu de qualité, n'hésitez pas à aller sur Twitch. Le lien est dans la description parce que vous allez voir que la qualité est mieux que YouTube. Car Twitch est fait plus pour les streams que sur YouTube. Voilà. Allez, fini de parler, on va tout de suite passer au jeu qui est au-dessus de moi. Voilà. Donc là, en fait, ça s'appelle Tram Simulator Vienna. Donc ça se passe à Vienne, en Autriche. Je pense que certaines personnes ont dû voir, j'avais fait pas mal de vidéos sur ce jeu. Non, attends, okay. Je disais n'importe quoi, je disais que certaines personnes ont dû voir d'autres vidéos sur ce jeu. Voilà. Voilà, aujourd'hui on a que ce tramway qui se trouve au-dessus de moi, enfin à côté de moi. Non, là, voilà. On va conduire le Flexi, je crois il s'appelle. Je vais vous montrer à peu près les véhicules qu'on a. Le Flexity, voilà. On a le Flexity, on a le E2 plus C5. Celui-là, je ne l'ai jamais encore piloté. Voilà. Là, vous avez le ULF type A. Mais alors lui, c'est en DLC. Voilà. Et puis, vous avez aussi un autre DLC qui permet de... d'avoir un dépôt, tout ça. Moi, comme je vous ai dit, on va tester tout ça. Et puis, on va voir ce que ça donne avec le temps. Hello Winner, salut à toi, salut Toupaye, salut Gérard, comment allez-vous?
Eh bien écoutez les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite le jeu. Alors je voulais vous poser une question, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent un peu le jeu ou pas du tout? Dites-le moi dans les commentaires. Défi de trame, tout ça, profil. Bon, nous on va créer une nouvelle partie. Alors vous avez différents modes, vous avez le mode horaire, le monde ouvert aussi. J'ai pas testé, enfin j'ai testé les deux, mais pour moi j'ai vu aucune différence parce que j'ai pas encore vraiment approfondi le jeu. Donc on va voir ce que ça donne avec le temps. Du coup on va rouler en Flick City, voilà la route, on a plusieurs routes, on a deux routes, voilà. Écoutez, on va choisir pour l'instant la route 1 parce qu'on va faire un petit souterrain. De toute façon on va peut-être tester les deux routes, on a le temps, voilà, on est en été, il est midi. Pour l'instant on va choisir le plus simple possible. On va partir tout de suite, commencer la partie. Attention, il risque d'avoir un petit peu plusieurs lags parce que, enfin plusieurs lags, moins comme si, hein, je vous rassure. Mais des fois, ça, le jeu freeze un peu hein, sur le logiciel. C'est-à-dire, vous avez vu ma tête, elle a freezé un petit peu. Parce que là, c'est le chargement. Sur ce jeu-là, en fait, je sais pas. Il est très, 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 très gourmand. Enfin, il est très mal optimisé pour les enregistrements et le stream. D'ailleurs, voilà. Ah bah, c'est le cas, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est ce que je me doutais aussi par rapport à ça. Attendez. Tac, tac. Ok. Voilà, c'est bon, on est revenu. On est revenu. Bon, j'espère en tout cas que ça va fonctionner. Alors, je vous préviens, une chose est sûre, c'est que le live peut s'arrêter aussi à tout moment. Voilà, il y a plusieurs problèmes en ce moment sur mon truc. Enfin bref, ouais, voilà, le jeu bug, c'est ce que je pensais. Il est intenable ce jeu, il est intenable. Bon, c'est pas grave. Alors, tac tac, ça c'est fait, ok. Ouais, le jeu est intenable, je suis désolé les gars. Ouais, ça, c'était sûr. Tac tac. Alors c'est quand tu refais du tram sim world. Bah je sais pas, faut que je vois si dans la semaine j'arrive à faire plusieurs streams ou pas. Normalement ça serait sur le prochain stream ou ça peut être même ce soir. Je crois que ça va être ce soir à mon avis parce que je crois que le jeu je pourrais pas le faire fonctionner celui-ci. J'ai un gros souci bah, c'est pas moi mais c'est le, je sais pas comment vous expliquer. Je vais baisser les textures et puis on verra bien. Hop, comme ceci. Et on va voir ce que ça donne. Ouais, votre stream, ouais. Bon, bref. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des petits. Ouais, vous avez. Il y a des bugs, ouais, bon. Bon, le tramway, il est là. Attendez, tac, on va faire ça. Graphisme. Ouais, les graphismes sont morts. J'ai juré. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. On va mettre élevé, on va mettre élevé, champ de vision élevé. Hop, comme ceci. On va pas non plus. Monsieur LOL. Alors. J'ai pas compris, Gérard, excuse-moi. Sinon, comment ça va depuis ce week-end? Eh bien, écoute, Thibaut, ça va impeccable, j'ai envie de te dire. Hein. On a profité un peu de mon. On a un peu profité du week-end, tout ça. Ah, ça a l'air d'aller là. Voilà, les amis. Je vous ai mis bien là, regardez. Voilà, c'est mieux là. Voilà, on va pouvoir démarrer le tramway. Désolé parce qu'en fait, au niveau du graphisme, bah, ça bug. Là, vous avez vu, c'est très fluide. Alors, les amis, je vais vous montrer le tramway en extérieur. Je suis désolé pour ce petit... Ah oui, il faut que j'appuie sur le bouton bleu ici. C'est le bouton des déblocages des portes. Voilà. Hop là. C'est vraiment du classique de chez Bombardier, ce tram. De chez Bombardier. Ouais, c'est que ça, c'est clair. Le voici. Oh, il est sale. Voilà, on est sur le Flick City. On a le numéro 301. Et puis voilà, là on va se mettre en... Ah oui, il est vraiment sale. Ah, ils auraient pas pu me donner un tram... Ah oui, non. En fait, le jeu, il bug encore. Tac, tac. Paramètres. Graphisme. Voilà, élevé. On va mettre moyen. Bon, désolé, ce soir, on va mettre en moyen certaines choses. Comme ceci. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, non. Ça, c'est encore pire, là. La V-Sync, non, il faut la mettre. Ok, comme ceci. Hop. Hop là. Alors, du coup, ouais, ça bug. Ouais, ça bug énormément le jeu. C'est pour ça que j'essaye de faire quelques réglages parce que je l'avais jamais fait en stream ce jeu. Et il a l'air d'être très gourmand. Donc, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Et puis, écoutez, on va voir ce que ça donne. Allez, on va le démarrer tout de suite. Donc voici l'intérieur du tramway. Voilà, bon là on peut acheter son ticket, tout ça. Assez classique, hein, j'ai envie de vous dire.
Non, c'est le jeu qui fait ça. Après, je vous le dis, si jamais le jeu il lag trop, on partira sur Train Sim World comme c'était prévu, je l'avais prévu. On partira sur Train Sim World au cas où. C'est un jeu allemand. Oui, je crois que c'est un jeu allemand. Écoutez, on va voir comment ça va se passer. Alors moi, ce que je kiffe dans ce jeu, c'est vous avez les caméras. Ça, c'est super cool, quoi. Voilà, vous pouvez voir les caméras. Là, vous avez les déblocages des portes. Hop là. Là, on a bloqué les portes. Voilà. Là, on va se mettre sur du 30 km/h. Voilà, comme ceci. Le pantographe est monté. Là, ici, vous avez les clignotants. Donc, moi, je peux les gérer. Voilà. C'est vraiment très, très stylé. Vous avez le sablage, etc. Là, le sifflet, puis tout ça. Là, vous avez le manipulateur qui est ici, tout simplement. Après, vous pouvez commander les petits trucs, mais j'ai pas encore assez exploité le jeu. Voilà. Bonsoir de Belgique. Et bah, écoute, salut à toi. Polix, comment tu vas? Salut Camille, moi je préfère le tram TVR. Ah oui, bon, je m'y connais pas en tram. Désolé. Allez, c'est parti, on avance. Vous appuyez sur Q hein, pour avancer sur la touche du clavier. Hop. Les amis, si vraiment le jeu il bug trop, je vous jure, on part sur Train Sim World. Je cherche pas à comprendre. Parce que, en fait, ce jeu il est très mal optimisé. Et je voulais vraiment vous le faire en stream. La prochaine fois, pire, si jamais ça bug, je vous le ferai en vidéo. C'est pas grave, ah, mais je vais juste augmenter le... Excusez-moi, je vais vous mettre ça là. C'est mieux, je vais vous mettre ça ici. Voilà. Comme ceci. Hop, on va se mettre en quai tranquillement. Salut Dylan, comment tu vas? Bienvenue. Voilà, on va se mettre au quai et on va partir bientôt. Ah, merci beaucoup Thibaut, merci beaucoup. C'est vrai que j'ai sorti la vidéo du 17, je l'ai sorti, bah oui, lundi, donc merci beaucoup en tout cas. J'espère que vous l'avez apprécié. Et normalement, on doit s'arrêter... Ah ouais, non, ça bug trop, c'est incredible. Enfin bref. Allez hop, tac. Là, j'ai ouvert les portes. Et dès qu'on est prêt, on y va. Salut Leili, comment tu vas? À quand des villes, les lignes françaises dans les jeux de tram et train avec toute la communauté qu'il y a en France, je comprends pas. Mais j'aimerais aussi, Geoffrey, j'aimerais aussi, figure-toi. Malheureusement, en France, pour l'instant, on n'a pas de... Enfin, on n'a pas de français, je veux dire. On a que de l'allemand, tout ça. D'ailleurs, sur Home City, aujourd'hui, je suis retourné sur X10. Enfin, bref, voilà. Il est à combien le jeu? Le jeu, il doit être à une trentaine d'euros, à mon avis. C'est à quelle heure que tu vas faire du Train Sim World? Bah, je sais pas encore à quelle heure je vais le faire parce que je t'explique, si tu veux, là je sens que le jeu de tramway que je diffuse actuellement va bug un petit peu. Hop, on va essayer de faire autre chose. Hop, on va essayer de faire ça, comme ceci. On va voir si c'est un peu mieux, mais bon, je suis pas sûr. Allez, on ferme les portes. Voilà, les portes sont déjà fermées. C'est parti, on y va. Hop, on avance. Pour l'instant, on est limité à 30 km/h. Ah oui, vous voyez pas le manipulateur, c'est pas grave. Tu vas faire quelle ligne sur TSW? Si je vais sur Train Sim World 2, les amis, ce soir, ça sera sur London Faversham. Vous savez quoi, je crois, on va même faire du TSW ce soir. Umsteigen zu 80A. Salut Nicolas, comment tu vas? Merci, bienvenue à toi. Et pour l'instant, ça a l'air de bien gérer. Je me suis blessé le doigt majeur de la main droite à cause d'un camion qui n'est pas décalé pour laisser passer le bus. Ah merde. Bah écoute, bon rétablissement à toi, mon petit Dylan en tout cas. C'est quoi qu'on arrive au terminus? Oh bah là, c'est pas tout de suite. Hein. C'est pas tout de suite. Hein. Je sais pas, elle dure combien de temps d'ailleurs la map. Enfin la ligne, pardon. Je crois qu'elle dure environ peut-être une trentaine de minutes, je pense. Tu connais le T7? Sur Paris, ouais. Je le connais. Écoutez, j'espère en tout cas que ça vous fait plaisir qu'on soit sur ce jeu. Salut à toi, Slinks. On ira sur Train Sim World 2, les amis, après. J'avais oublié de le mettre dans le titre. Bon, c'est pas grave. Salut à toi, JV Star, comment tu vas?
accélère un peu. Ouais, ça a l'air d'aller mieux là, les amis, hein, sur le tram, hein, j'ai l'impression. Bah, écoutez, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Hein. Oh là là. Ah, ok, c'est bon, j'ai cru que la Mercedes, elle allait nous planter. Non, écoutez, ça a l'air d'aller un petit peu mieux là sur le jeu. Hop, nous avons un arrêt qui est ici, les amis. Alors, normalement, j'ai un point jaune voilà, qui est là. Et au-dessus, j'ai ma signalisation. Voilà, comme ceci. Voilà. Là, en fait, si vous voulez, avec ma touche 4, j'ai appuyé sur le bouton bleu qui est ici, là. Voilà, qui est là. Pour débloquer en fait les portes, enfin les gens en fait ils vont appuyer sur la porte va s'ouvrir. Et en fait quand on a le vert et le bleu, cela veut dire que en fait les gens peuvent appuyer. Regardez, peut-être là ils vont appuyer. Voilà, les gens ils ont appuyé, tout simplement. Pour l'instant je les ai pas bloqués en fait, tout simplement. Est-ce qu'il y a des trams français? Pas encore, enfin pas du tout. Il y a une autre version de jeu qui s'appelle Tram Sim. Attendez, faut que je guette le feu. Ouais, le feu il est toujours. Vous voyez, là c'est la signalisation. Là c'est. Voilà, dès qu'il y a le A, je bloque mes portes. Comme ça les gens ne peuvent plus monter. Et je vais pouvoir y aller. Je disais donc, ils ont fait une autre version avec Tram Simulator Munich. Ils l'ont fait à Munich. Là pour l'instant c'est en Autriche. Je suis pas sûr qu'ils fassent pour l'instant la France. Peut-être qu'ils peuvent faire. Parce que là ils ont fait Munich, donc c'est l'Allemagne. Ils vont faire peut-être l'Allemagne. Je suis pas sûr qu'ils fassent pour l'instant la France. Mais j'aimerais beaucoup, honnêtement. Ça me ferait vraiment plaisir qu'ils en mettent un. Bien, et toi, j'ai vu la rediffusion du live aussi. Bah écoute, merci beaucoup à toi, Nico, c'est super cool. Salut Esteban, comment tu vas? Comment tu fais pour être sur Twitch et YouTube en même temps? Alors, j'utilise le logiciel Restream qui te permet de faire les deux en même temps avec mon logiciel vidéo, c'est Streamlabs OBS. Je te conseille de regarder sur internet, je pourrais pas t'expliquer par rapport à ça. Voilà. On a la signalisation en haut, les amis, pour information. Voilà. On est sur quelle ligne? La ligne principale de cette ligne. Des arrêts où il faut traverser la route pour monter dans le tram, c'est pas en France que l'on voit ça. Tout à fait, Geoffrey, c'est vrai. Même quand j'ai commencé le jeu, je marquais pas l'arrêt parce que je me suis dit c'est pas possible que ça soit une station. Lui, il a grillé le feu, lui. Mon pote, lui. Mais sale. Salut à toi, Christophe Pastor, comment tu vas? Tram Sim Paris, ah, j'aimerais beaucoup. Hein. Mais là, faudrait. Enfin, le jeu, je pense qu'il faudrait qu'il soit au petit douf. Là. Hop, allez, on ouvre les portes. Hop, comme ceci. Du coup, salut Moussa, comment tu vas? Bienvenue à toi. Hop. Là, on a un collègue en face. Là, j'ai bloqué les portes. Est-ce que. Alors. Vous voyez, je vais vous montrer le manipulateur de traction, hein, il est comme ça le manipulateur. Mais sauf qu'en fait quand je mets ma vue comme ça, vous pouvez pas le voir. Parce que même s'il y a ma caméra, vous le verrez pas. Donc voilà, salut collègue. Allez, c'est parti, on avance. Tu peux faire une vidéo sur OMSI 2, GPM, Elias, BGS, JX, 327, IDFM. Alors Tabi, pour information, j'ai déjà fait cette vidéo. Donc ah mais là c'est rouge pour nous. Voilà. Merde, je vois pas le feu. Bon, c'est pas grave. J'ai déjà fait une vidéo sur le GX 327. Merci Zozo Game de ton follow. Voilà, si vous allez sur Twitch, vous avez une petite animation comme celle-ci. Voilà. Donc pour moi, c'est rouge. J'avance pas pour l'instant. Du coup, ce tram, ça fait longtemps que t'as pas live dans ce jeu. Tout à fait, Moussa. Ça fait même très longtemps que j'ai pas du tout live depuis un jeu de train. Et comme je vous avais dit, c'était quand que j'avais live, c'était samedi soir. Je vous avais dit que j'allais fortement stream sur Tram Sim. Et alors les amis, pour l'instant le jeu a l'air de fonctionner parfaitement, donc je vais voir s'il y aura un Train Sim World ou pas. On verra dans les prochains jours à venir. Voilà, là on a l'aiguillage au-dessus du feu rouge, on peut voir qu'on peut tourner à droite. Donc nous on peut y aller, voilà. Merci Zéla Fritta de ton follow. Vous avez de ces noms, c'est marrant. Non, franchement ce jeu est très bien, enfin, en fait j'ai connu le jeu à sa sortie. Et je peux vous dire que... Merci Will de ton follow. Le jeu était très mal optimisé. Ils ont fait vraiment un gros effort, notamment sur les IA, sur les textures. Ça buguait énormément. Ce jeu est en train. Enfin, pour moi, il est en train d'être perfectionné. Il va évoluer. Voilà. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous le faire montrer ce soir. Quoi. Tu peux faire du MC? Non, du tout, Sabrina. Vous savez très bien, quand je fais un stream, je fais que ce stream. Voilà. Salut Ama, comment tu vas? Bienvenue.
Alors, du coup, c'est pas Alstom le constructeur de cette rame. Non, c'est Bombardier, regarde. Il y a écrit ici Bombardier. Voilà, je te montre ici, c'est écrit Bombardier. Les amis, si vous voulez avoir une bonne qualité, n'hésitez pas à aller sur Twitch. Les liens sont dans la description. Vous allez voir la qualité et mieux. Vous allez mieux voir l'intérieur du cockpit. Voilà. Est-ce qu'on a un feu de signalisation? Bah non, on n'a pas. Et il n'y a pas de... En fait, il y a un mode horaire, mais je ne l'ai pas testé. Ah bref. On va voir ce que ça donne avec le mode horaire. Quoi. Moi, j'attends juste que le jeu sorte sur console. Ah, je sais pas du tout s'il va sortir sur console. Là-dessus, j'en ai aucune idée. Ça, c'est vrai que ça peut être sympa qu'il sorte sur console, honnêtement. Ça peut être très sympa. Désolé, excusez-moi. Oh, il y a eu un accident ici, là. Alors moi, j'ai mis le régulateur à 30 km/h. Hein. Il y aura une partie où il y aura 50. Les voitures, ils sont derrière là, normal. Salut Sofiana, comment tu vas? Hop. Merci Nico de ton follow. Allez hop, on ouvre les portes. Alors, du coup, ça va, moi j'ai joué sur TSW2 cet après-midi, j'ai eu un bug, je devais tracter 8 wagons de marchandises, et quand j'ai mis le manipulateur de traction à 8, puissance pas impossible de le faire avancer le style, fait 3 mètres. Off. Christophe Passeur, normalement, je parle là-dessus, je pourrais pas t'expliquer mon petit Christophe, mais normalement t'as les didacticiels, t'as les tutos, essaye de te renseigner par rapport à ça. C'est peut-être que tu as un frein qui est activé ou ton panto ou je sais pas. Là-dessus, je pourrais pas t'expliquer. T'es même moi, des fois, sur TSW, je bug, donc voilà. Alors, dès qu'on a le A, les amis, qui est là-haut, je bloquerai les portes. Voilà. Tu travailles toujours chez Enedis? Non, j'ai arrêté de travailler chez Enedis, pour information. Hop là, dès qu'on entend dès qu'on entend la clochette, voilà, ça veut dire que c'est le signal de départ, pour information. Pire que les PNJ de GTA. Ouais, j'avoue. Mais ils ont fait du bon travail quand même hein, sur ça, je trouve. Allez, les signaux sont verts, on peut y aller. Hop, on a un collègue. Non, je trouve qu'ils ont vraiment bien fait ce jeu, honnêtement. Salut, je suis nouveau. Salut à toi, le geek. Bah, écoute, bienvenue. Bienvenue sur la chaîne. C'est dommage qu'ils le font pas à Innsbruck, parce qu'il y a un tramway à Innsbruck, parce que si vous voulez, cet été j'ai été en Autriche, j'ai été à Innsbruck et j'ai vu le tramway de là-bas, et ça ressemble à peu près à cela, enfin à celui-ci, excusez-moi, je m'exprime mal ce soir, je suis fatigué, et j'aurais bien aimé qu'ils le mettent sur Innsbruck aussi. Je sais pas s'ils ont mis un point jaune. Ah si, le point jaune il est là-bas, pourquoi ils ont mis une barre jaune? J'ai pas compris pourquoi. Hop là, on ouvre les portes. Tu travailles où maintenant? Pour l'instant, je travaille sur le chantier. Mais pour l'instant, je suis à fond dans le sport, si tu veux, pour faire gardien de la paix plus tard, en fait. Là, je passe le concours la semaine prochaine, là, du gardien de la paix, les épreuves sportives. Ça va être chaud. Voilà. Hop, écoutez-nous, normalement, je sais pas si on va tout droit ou pas. Bon, on va voir. Dès qu'il y a le A, on bloque les portes. Tu n'as pas pris la fameuse ligne de train qui va de Innsbruck à Munich. De quoi je ferais... Pourquoi il y en a une? Il y en a une qui fait ça? Hop, alors vous voyez là, il est rouge, mais... Ah merde, bon. Ah, le signal était vert, bon, ça veut pas, c'est pas grave. J'ai trop tardé. C'est pas grave. J'ai pas compris, Geoffrey, tu parles sur quel jeu? Sur celui-ci ou un autre jeu? Bah merci beaucoup Axel en tout cas. Merci, merci les amis pour ça.
Salut TH, comment tu vas? En tout cas, moi ça va nickel. Salut le Cas Gaming, eh, ça fait longtemps, c'est vrai. T'as vu, je suis de plus en plus là. Bon, y a pas trop d'action dans le jeu, mais le jeu est très bien reproduit. Enfin, je trouve qu'il est chill le jeu, c'est ça que j'aime bien. Tu peux aller sur TSW2 s'il te plaît? Non du tout, risque, j'irai pas pour l'instant. La semaine pro, le retour des cours. Ouais, vous avez 2 semaines de vacances là du coup. D'accord. Ah, je me rappelais même plus que vous étiez en vacances. Il y a autant de likes que de viewers. Ah non, mais en fait, j'explique pourquoi. C'est parce que moi je stream sur YouTube et Twitch en même temps. Donc la plupart des gens sont allés sur Twitch. Car je leur ai conseillé d'aller sur Twitch. Parce que sur Twitch, la qualité est meilleure, tout simplement. Voilà. Hop, c'est vert pour moi, on y va. Salut Malo, comment tu vas? Je rate aucun de tes lives en ce moment. Eh ben écoute, c'est super super sympa. Merci d'être autant là. Ça me fait plaisir en tout cas. Tu réponds aux messages sur Instagram. Alors en fait, j'ai un souci sur Instagram de mon compte YouTube. C'est que je retrouve plus mon compte YouTube, monsieur Lol. Mais ben, je vais essayer de le retrouver. Je vais essayer de le retrouver. Donc je vais y répondre, ok? Je vais peut-être faire ça ce soir ou demain. Je vais essayer de retrouver mon compte Insta, monsieur Lol. Ça marche? Ah, Christophe, là-dessus, je pourrais pas t'aider là-dessus, mon petit Christophe. Puis en plus, je suis en train de conduire, tu vois. Mais depuis le temps que tu joues, quand même, Christophe, tu devrais te perfectionner dans le jeu, quand même. Malo, salut, comment allez-vous? Bah écoutez, moi je vais très bien, et vous? Sur Twitch, j'ai l'impression qu'il y a moins de décalage avec le direct. Oui, tout à fait, hein, sur Twitch, vous avez presque, c'est instantané. Attendez, je suis fatigué. En fait, comparé à YouTube, il y a un décalage de 15 secondes à peu près. Et sur Twitch, vous avez un décalage de 3 secondes à peu près, 3-4 secondes. Donc voilà, si vous voulez me parler et que je vois vos commentaires, que je vois votre commentaire plus vite, vous pouvez aller sur Twitch et la qualité sera meilleure d'abord, tout simplement. Du coup, Lolo... Non, mon petit Christophe, tout a été calculé. Chez Nedis, c'est que bah voilà, j'ai décidé d'arrêter, quoi, tout simplement. Voilà, tout simplement. Tu peux faire une vidéo vlog conducteur de bus Citaro NGT? Bah écoute, pour l'instant j'ai pas de bus Citaro NGT en vlog, mais si j'en ai un avec un pote à moi qui est conducteur de bus, bah écoute, avec volontiers je fais la vidéo, tout simplement. Je vais acheter un nouveau PC avec une RTX à 3080 Ti. Oh, ça c'est beau ça, TH. Ah oui, tu vas kiffer. Salut Arland, comment tu vas? Bienvenue. Bonsoir. Le jeu est cool, il coûte combien? Alors le jeu il coûte 30€ et t'as des DLC. D'ailleurs je pense acheter, parce que je vois que ça vous plaît, je pense acheter le prochain DLC du jeu, qui est sorti déjà. En fait le DLC, il s'agit d'un... Enfin on est au dépôt, on peut laver le tramway, tout ça. Donc à voir. Même avec un 3080 Ti, je lag sur Xbox. Bah en fait c'est pas vraiment avec une carte graphique que tu vas réussir à faire moins de lag sur M6, c'est plus avec ton pros, ton giga de RAM. Et puis j'ai envie de te dire, tu sais, même moi qui ai un ordinateur très puissant, bah même si ça fait que merder, donc c'est, voilà. Sache que c'est pour tout le monde pareil. Tu en as marre d'aller couper le courant pour les impayés avec Kennedy? Déjà ouais, premièrement ouais. Je vois que tu t'y connais, en tout cas, ça fait plaisir de voir ça. Oui, tout à fait. Enfin, il y avait une partie de ça, si tu veux. En fait, j'ai quitté Nedis parce que c'était du Paris. Et avec la camionnette, tout le temps, c'était bouché. Je faisais du 18e, 19e, 17e arrondissement, 8e, 9e, 10e arrondissement. Et franchement, au bout d'un moment, j'ai fait une overdose de Paris. Je te jure que c'est pour ça que j'ai un peu quitté, parce que il y avait le salaire et tout ça, tu vois. Et puis ouais, c'est vrai que il y a des trucs où les gens ils étaient prêts à te casser la gueule, tu vois. Tu réponds au message sur Facebook? Alors Facebook, j'y vais plus. Faudrait que je retrouve le compte, il va vite le collègue. Faudrait que je les retrouve les trucs. Voir au coiffeur, il te manque un petit dégradé. Mais tu sais que c'est vrai, parce que je t'explique là. Attends, je te montre. Ah, t'as vu? Là il manque le dégradé en ce moment là, tu vois.
Donc je vais y aller cette semaine au coiffeur. Le prochain stream, vous me verrez, là je serai en mode beau gosse. Comment ouvrir la porte du bus? Comment t'as fait? Ah, t'as dit, écoute, quand je vois des commentaires comme le tien, voilà, va voir mes vidéos, des fois il y a des petits tutos, voilà. Yaz, bien le bonsoir. Et ben bonsoir à toi aussi, bienvenue. Aussi le jeu de tram de Grenoble. Alors attends, parce qu'il y a trop de commentaires, hein, j'avais oublié que vous m'aimez bien. MDR 3080 pour jouer MC. Ouais, tout à fait, moi j'ai eu la même réaction, mais bon. Voilà, après... Tout simplement. Mais t'es déjà beau gosse. Oh, merci Thibaut. Bah c'est vrai qu'il y a personne qui me dit que je suis beau gosse. Alors, je rigole, non. Me dites pas. Parce que je sais qu'il y en a dans les commentaires qui s'appelle Christophe Pastor. Il aime bien dire que je suis moche. Enfin bref. Putain, c'est vert, putain. Tu es toujours électricien? Ouais. Enfin, façon de parler, on va dire, j'y suis toujours, hein, mais... J'y suis toujours électricien, mais j'y suis moins sur le chantier, si tu vois ce que je veux dire. Merci Yaz de ton follow sur Twitch. Je m'appelle Steven Leluc. Eh ben écoute, enchanté Steven Leluc. J'espère que tu vas bien. Hop là! Salut du noyau, comment tu vas? Lolo toujours BG, merci Dylan, tu le sais très bien. Si t'es mignon. Oula, bon calmez-vous quand même, hein. On va s'arrêter là les amis, là c'est bon. On n'est pas là pour faire des... J'ai changé de... Enfin, vous savez, je regardais mes anciennes vidéos. Oh là là! J'ai archi changé de ouf quand je regarde mes anciennes vidéos, ça me tue. Mais si on peut pas te parler via Facebook ni Instagram, comment on fait? Si, je t'ai dit Instagram, tu pourras me parler. Tu pourras me parler via Insta. T'inquiète pas, je vais retrouver mon compte Monsieur LOL Insta. Mentos, merci de ton follow sur Twitch, bienvenue. Je regarderai la drift plus tard. Ok, pas de soucis, vous inquiétez pas, de toute façon il y aura la rediffusion sur YouTube, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Je me suis abonné, bah merci beaucoup, ça me fait très plaisir en tout cas. Oula, petit lag, hein. Je vous rassure, c'était dans le jeu. Montre ton maillot de foot. Ah, vous savez pourquoi, hein, ça c'est la jupe. Je connais la juve. Je l'ai acheté à Turin en plus ce maillot. Merde. Je sais pas si j'ai crié un feu. Bon, c'est pas... On fait comme si on n'avait rien vu. Voilà, donc après voilà, ce jeu est plus principalement... conduire des tramways, quoi. Après c'est à vous de juger si vous aimez bien le jeu ou pas, voilà. Après ça devient la même chose. Salut, tu comptes jouer à Flight Simulator 2020 et Cool Shark? Tout à fait, bien vu. C'est bientôt d'ailleurs, je t'explique que ça sera dans deux streams que je vais faire un petit flight. Alors je sais pas si je vais faire les Cool Sharks, mais s'il y a la possibilité de faire avec le poteau Cool Sharks, franchement, je le ferai. Mais sinon, je ferai un voyage seul. Ah, merde, bon, je bloque les portes. Mais sinon, ouais, bientôt, j'en ferai un, promis. J'adore ce jeu, Flight, j'adore ce jeu. Tu as arrêté OMSI 2? Non. J'ai fait une vidéo lundi pour information. Et pendant ce temps, arrête de draguer. Bah oui, vous me draguez là. Ah ouais, Discord, c'est casse-tête, mutez jour des notifications du coup ce matin. Je vais laisser un message. 5h30, j'ai dit ça, c'est casse. Bah, moi j'ai mis. Tu sais que moi le Discord, il y a trop de notifications. J'ai mis j'ai mis les notifications pour pas entendre les notifs. Et après, je regarde sur le fil d'actualité, quoi, tout simplement. The Creative, yo monsieur LOL, ça va? Bah écoute, moi ça va nickel, j'espère que t'as rien raté. Non, ça va, t'arrives à peu près au début. On conduit un tramway, donc t'as rien raté pour l'instant. Pour le tram de Grenoble, faudrait rajouter... Ah d'accord, non, ça Geoffrey, c'est pas bien ça. T'as ouf toi Geoffrey. Ça a claqué là, je vais... Ah après, ouais, bon moi, le foot, maintenant ça m'a un peu saoulé. Mais moi j'ai acheté parce que le maillot, je le trouve beau, voilà. Moi je suis quelqu'un comme ça en fait. Pour information. Tu dois conduire le Iveco Urbanway 12 hybride, s'il te plaît. Il est pas dispo encore. Faut être au courant. Couloulou, c'est chaque combi, chaque jour. Tu fais des vidéos. Salut Tidiane, pour l'instant j'ai pas de fréquence. J'ai pas fait de fréquence ou j'ai pas fait de programme. Pour l'instant, j'essaye de sortir pour l'instant une vidéo par semaine. On va essayer de faire ce rythme là avec du vidéo différente. Là, je vais essayer de vous faire un peu d'OMSI 2 sur Berlin X10, juste revenir un petit peu à l'ancienne. Vite fait, voilà, tout simplement.
On essaye de faire un peu plus de stream. On compare un peu les deux, quoi. Enfin, on alterne. Vraiment. Bon tram, merci beaucoup. Question, tu veux conduire le Iveco Evanus? Oui, j'aimerais bien le conduire, oui. Hop, le feu est vert. Le feu est rouge, pardon. En fait, quand c'est le trait, les trois petits points en horizontal, ça veut dire que c'est rouge. Et une fois que les deux points seront verticales, seront verticaux, parce qu'il y en a plusieurs, donc c'est verticaux, excusez-moi. Dès qu'ils seront verticaux, ça veut dire que on pourra y aller. T'es la première personne à bien prononcer mon prénom du noyau. Ah, bah après, en vrai, il est simple, je trouve, à préciser. Encore 6 jours. Ah non, on va tourner à droite, ok. Encore 6 jours avant que le Zbul recommence. Je pense que je suis là pour ça, à retourner en cours. Ah, ah, il faut aimer. Faut aimer les cours. C'est quoi pour toi la meilleure map sur OMSI 2 GPM. Tout simplement. Tout simplement, j'ai envie de te dire. En fait, on s'arrête toujours au point jaune. Hop là. En tout cas, Paris-Boulon, tu la kiffes. Tu la kiffes quelle ligne? J'aime beaucoup la... Laquelle la 17. J'aime beaucoup la 17, pour information. La 17, j'aime beaucoup. Allez, ça va être vert. Tu peux pas tenter les tests à la SNCF pour conducteur de train? Moi, je les ai. C'est pas facile. J'ai malheureusement pas réussi. Bah écoute, Geoffrey, je t'explique. J'ai postulé la semaine dernière pour être conducteur. Et il y a un an, j'avais tenté de faire les tests et j'ai pas réussi aussi, malheureusement. Et ce sont très durs, les tests de la SNCF. Voilà, c'est... Même si j'ai les diplômes pour, voilà, j'ai fait quand même... Enfin, voilà, vous vous rendez compte, j'ai quand même fait les diplômes pour devenir conducteur de train à la SNCF. J'ai tous les diplômes requis, j'ai un bon CV, mais ils te font faire des tests de merde, des tests psychotechniques qui servent à rien pour moi. Parce que je pense qu'ils ont beaucoup de demandes. Mais voilà, ils se jugent trop sur des tests psychotechniques et ce qui foire tout, parce qu'il y a des gens, ils ont le potentiel pour travailler et malheureusement, bah, avec les tests psychotechniques, c'est pas possible. Voilà. Mais pour information, j'ai repostulé pour faire conducteur de tramway sur le T, je sais plus combien, et pour conducteur de train. On verra bien s'ils vont me répondre. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Imagine une map Paris RATP. Ah oui, bah, GPM, ça se rapproche. Hein. Ça se rapproche pas mal, hein, déjà. Comment il m'a zappé? Comment ça, monsieur Tigrou? J'ai pas vu ta question, c'est ça? N'hésite pas à la reposer. J'ai tellement beaucoup de commentaires que n'hésitez pas à reposer vos questions. Comment avoir OMSI 2 sur mobile? Ça n'existe pas. Après, chez nous, on n'a pas besoin d'aimer. On fait pleurer tous les profs. Bienvenue au lycée Bac Pro Mécanique. Ah oui, je connais. J'étais en Bac Pro Mélac. C'est presque pareil. Voilà. Je dois quitter malheureusement, j'espère que tu gagneras des abonnés avec ce like. Bah écoute, bah merci beaucoup en tout cas du noyau d'être venu, c'est sympa. Écoute, moi mon objectif c'est de faire des vidéos et que les personnes qui n'ont malheureusement pas de PC ou autre puissent regarder des jeux auxquels ça peut les intéresser, tout simplement. En tout cas, bonne soirée à toi. Moi je vais être conducteur de train, après je connais pas les démarches et les niveaux pour... Bah, essaye d'aller sur SNCF recrutement et puis tu verras, tout simplement tu verras, après tu n'as pas, tu t'es pas obligé d'avoir vraiment beaucoup de diplômes pour être conducteur de train. Hein. Il y a des gens, ils étaient profs et le jour au lendemain ils se sont retrouvés avec, enfin voilà, avec, avec les conducteurs de train. Quoi. Tu as testé la deuxième ligne de The Bus. Je vais la tester, je l'ai déjà testé tout à l'heure pour info. Et en fait je t'explique, la deuxième ligne de The Bus, c'est le retour, c'est le trajet retour en fait. Tu vois, t'as la première ligne que j'avais fait en vidéo, en fait c'est le retour. Mais par contre il y a beaucoup d'améliorations sur The Bus les amis, j'ai oublié de vous dire. Beaucoup d'améliorations sur The Bus, j'ai oublié de vous préciser. Donc je referai aussi un live dessus, ou même une vidéo. Je pense faire plutôt une vidéo et un stream dessus. Il y a eu beaucoup d'améliorations sur The Bus, voilà. Salut à toi Ivan, comment tu vas? Moi je vais être conducteur du bus RATP, bah écoute, je te le souhaite, je te le souhaite.
Projet j'espère qu'ils refont la ligne 8005. Ah, j'aimerais bien. Ah oui, bah oui, Dylan, donc c'est tout ce qu'on veut le faire par rapport à Wolfie, quoi. Putain, chaque fois je me perds dans les feux, là. Ça sert à rien leur feu. Rathausplatz, Burgtheater. Rathausplatz. What? Pardon. Nabil Fortnite, merci beaucoup de ton follow. Alors, est-ce qu'il y aura des nouvelles lignes sur GPM? Bah écoute, j'espère vraiment, ça pourrait être super cool. Alors, bienheureux, merci beaucoup de ton follow, c'est cool de ta part, merci. MDR Melec encore pire, ils sont 30 en deux classes dans tout le temps lycée. Ouais, bah moi j'ai fait Melec à Paris, bon, j'ai bien aimé faire ces diplômes là. Est-ce que tu as le Blue Bus sur UBSI 2? Bah j'ai sorti un live et une vidéo ce week-end, donc oui. Je parle de la ligne 200, pas la ligne TXL. Ah, la ligne... Ah, alors j'ai mal dû voir. J'ai du mal voir, pardon. Du coup, je vais la retester cette semaine, du coup. Je verrai bien. Ah, elle se fait en 18 mètres ou elle se fait en 12 mètres? Dis-moi si elle se fait en 18 mètres ou en 12. J'irai la faire, promis. Salut le Schmido, comment tu vas? Moi je vais nickel. Ça existe le Iveco Urbanway sur MC2? Il est en projet. Enfin, il est en projet. Ça fait des années qu'il est en projet, je crois. Salut, ça va? J'ai raté quelque chose. Salut TCL. Bah écoute, tu n'as rien raté. Pour l'instant, on conduit un tramway. Tranquillou. Je m'abonne à ta chaîne YouTube. Ah, merci beaucoup, c'est très sympa. Hop. Très sympa ce jeu. Vous savez quoi? Je pense que plus tard, à l'avenir, j'achèterai les... J'irai acheter les... Les DLC. Tu l'as acheté où le jeu? Je l'ai acheté sur Steam pour information. Parlament. Umsteigen zu 2 in Richtung Dornbach. Désolé, j'ai apparemment un problème de son, je n'ai pas entendu ta réponse. Je disais que j'avais pas vu ton commentaire de tout à l'heure. Ça fait 10 minutes que je suis là et je m'abonne. Ah bah écoute, merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Allez, c'est vert, on avance. Il s'appelle juste Train... Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Bah oui. Je suis prioritaire, hein. C'est pas grave. Le jeu s'appelle Tram Sim pour information. Tu ferais un live sur le métro. Quel métro? Sur le Tram Sim World 2 en métro, tu veux dire? Est-ce que Tram Sim est disponible sur PS4? Non, du tout, il n'est pas disponible. Il est que disponible sur PC. Alors qu'est-ce que vous en pensez du jeu pour information? Monsieur Tigrou, je vois tes messages. Hein. Il est où Wolfie? Oh, il est pas là. Go les 8K. Ouais, bientôt les 8K. Enfin, j'espère qu'on les atteindra bientôt. On a rattrapé le collègue d'en face, vous avez vu? On aura un peu de difficulté, ça c'est cool, j'aime bien. Salut Omar, comment tu vas? Comment on achète Train Simulator 2022 sur Steam? On a déjà le DLC Méditerranée. J'ai pas compris, Nabil. Peux-tu répéter? Dans quel sens? Si tu veux acheter le DLC ou si tu veux acheter le jeu? Si t'achètes juste un DLC et que t'as pas le jeu, ça ne fonctionnera pas, tu n'auras pas la base. Très bien, ultra réaliste. Ah bah m'écoute. Merci beaucoup. Ouais, il est sympa. C'est quoi ton plus gros projet sur YouTube? Mon plus gros projet sur YouTube, je dirais que... c'est de faire un partenariat avec un grand jeu vidéo, je pense.
et tout. Ou non, j'aimerais beaucoup faire une vidéo avec la SNCF et avec un centre bus. C'est ça mon plus gros projet, j'aimerais beaucoup faire ça. Je me demandais si c'était une ville en Allemagne. Ah, non du tout, c'est en Autriche, à Vienne, tout simplement. Alors là, vous avez vu, le feu était vert. Et comme il y a le collègue, on a le droit de faire à vue, en fait. Son collègue, il avance. Est-ce qu'il y a des Iveco Urbanway 12 ou 18 sur MC? Non, pas encore. Tu vas tester la ligne Strasbourg-Carlouche sur TS 2022. Si elle sort, pourquoi elle est sortie? Mais si elle est déjà sortie, ouais, je ferai même une vidéo dessus ou un live dessus, pas de souci. Tu peux faire une vidéo avec Wolfis sur une ligne en vue conducteur. Ok, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. On essayera de faire ça. Je vais essayer d'organiser ça avec mon poteau Wolfi. En plus, il est du soir en ce moment. Vu que j'ai le temps, je vais essayer de programmer ça. D'accord, Mais en tout cas, merci de ton commentaire, ça peut me donner une idée. De refaire une vidéo avec, avec Wolfi. On va essayer de le faire en ligne. Sur de l'Alba ou sur de l'Alba Trans 4104 ou 4105, on va voir. Oper, Karlsplatz, Umsteigen zu U1, U4, D. Je peux faire une vidéo dépôt de Lyon. Ah, je peux pas, j'ai pas d'y accès encore pour l'instant. Si on achète Transmetteur 2022 sur Steam, on a déjà le DLC LGB. Non, non, je crois pas. Non, c'était l'ancien. Est-ce que tu connais MSTS? Ouais, je connais, mais j'aime pas du tout ce jeu. Elle est déjà sortie? Ok, bah écoute, j'irai faire un tour. Premier, je vais aller faire un petit tour. Est-ce que tu as le bus 18 mètres sur MC2? Ouais, tout à fait, bien heureux. Je l'ai parce que j'ai fait une vidéo, enfin j'ai fait un stream samedi soir sur ma chaîne. Carlo, je connais, j'ai passé un an là-bas. Très belle ville. C'est en Allemagne, hein, c'est ça? Bah écoutez, si la ligne est sortie, j'irai voir. Je dois partir, malheureusement, à plus. Mais écoute, catégorie à plus, et puis écoute, n'hésite pas à regarder la rediffusion plus tard. A plus, bonne soirée à toi en tout cas. Sinon tu peux juste faire une vidéo avec le bus TBM. TBM, je crois que ça n'existe pas encore pour l'instant, Omar. Je sais peut-être qu'il y a peut-être une livrée TBM, mais pour l'instant j'ai pas de... Ah, j'y ai pas. Merci, je t'adore, tu es mon youtubeur préféré. Bah merci beaucoup, ça me fait super plaisir en tout cas, merci beaucoup. Tu finis quand? Je sais pas, je connais pas encore assez le jeu pour ça. C'est parti en avance. Bonsoir à toi Johan, comment tu vas? Salut Antoine. T'es de Grenoble, TER de Grenoble. Je crois qu'il y est. Service militaire. Ah, tu as fait ton service militaire. Ah oui, ça rigole pas là-bas, effectivement. Ah oui. Ça devait être chaud le service militaire à l'époque, hein. Allez, c'est vert. Moi, je suis déjà rentré dans le dépôt de Transdev de la Strave. Ils sont très sympas. Mais pour la RATP, c'est compliqué. Ouais, tout à fait. Tout ce qui est autorisation, tout ça, c'est très compliqué à avoir, tu sais. C'est pas tout le monde qui peut... Il peut y aller, quoi. Je crois que je vais dormir. Ah, bah écoute. Bonne soirée à toi et puis bonne nuit. Le feuille rouge au-dessus. Ah. Évidemment, mon essuie-glace me gêne pour voir. Ils ont vraiment réglé tout ce qui est circulation, tout ça, je trouve. Salut le petit Kylian, comment tu vas? Oh, bah le Mercedes, il a failli écraser le monsieur. Tu peux conduire le TGV Thalys? Il n'existe pas, le TGV Thalys. Sorry. Mmh.
Tu sais, si TSW, ils vont faire le prolongement jusqu'à Lyon de la LGDV. Mais, alors, c'est, normalement, c'était prévu pour qu'ils le fassent. Mais écoute, pour l'instant, j'ai pas d'informations. Mais je te le cache pas, j'aurais aimé qu'ils le fassent. Ça aurait été très sympa. Oula. Ça aurait été très sympa de le faire. Mais pour l'instant, j'ai pas d'infos sur, sur tout ce qui est TSW concernant du français, tout ça. Donc, à voir. Ouais, mais super ville touristique, ok. C'est comme faire ton service à Paris. D'accord, ok, bah écoute. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse. Écoute, je suivrai tes conseils. J'irai faire un tour, alors. Le feu est rouge pour information, l'anniversaire. Monsieur, tu es fatigué. Ouais, moi, je suis un peu claqué, je te le cache pas. J'ai une luxation épaule gauche pendant un moment. Ouf, comment t'as fait, Yohan? En tout cas, force à toi et rétablis-toi bien. Comment tu as fait? Ça doit être très dur, ça. Bonjour, tu peux mettre la vue externe. Alors, je sais pas comment on met la vue externe, mais je vais sortir du tramway à la prochaine station pour te montrer comment est le tramway, d'accord? Bonsoir monsieur Lol, j'espère que tu vas bien. Salut Tidiane, bah écoute, moi ça va nickel et toi? Hop là, je vais te montrer actuellement l'intérieur du tramway. Parce que tu peux te balader. Pour info, tu peux laisser ton tramway. Donc voilà comment est le tramway. Donc c'est plutôt plutôt sympa. Par contre, il est sale le tramway. On va pas se le cacher. Voilà. Voilà comment est le. Tu peux rentrer avec. Là, tu vois, j'ai débloqué les portes. Tu appuies. Les portes s'ouvrent. Là, tu as. Corentin. Faut bien mettre les masques, monsieur. Messieurs, faut bien mettre les masques. Parce que là, il y a de l'air qui passe quand même. Enfin bref. Ah oui, ils ont les masques, ils ont le truc Covid, hein, pour information. C'est marrant, je trouve. Du coup, salut à toi PL du 07, bienvenue. Je sais pas si t'as vu mon message plus haut, mais en tout cas, regardez tes vidéos, c'est toujours un régal. Presque 3 ans que je te suis. Ah bah écoute, merci beaucoup Christophe, c'est vrai que tu es quand même... une des personnes qui regarde le plus souvent mes vidéos et mes streams, et en tout cas je te remercie beaucoup. C'est vrai que ça va faire presque 3 ans que j'y suis sur YouTube, enfin on va dire entre autres. C'est déjà pas mal, j'ai envie de te dire. Il y a Bordeaux dans le jeu? Non, il n'y a pas Bordeaux pour info. Tu peux conduire le bus Cordéon? J'ai déjà conduit ce week-end le 18 mètres. J'ai fait un vol plané sur un vélo, la plaquette de frein est coincée sous la jante. Ouf. Ah, t'as fait ça en vélo, putain, c'est chaud. En tout cas, force à toi, mon petit Johan, et puis bon rétablissement, j'ai envie de te dire. Bon, j'aimerais bien que ça soit vert. Je kiffe tes vidéos MC2. Ah bah écoute, merci beaucoup. Bah, j'ai vu qu'il n'y avait plus beaucoup de monde qui faisait du MC2 là maintenant. Donc, je vous avoue que ça m'a fait du bien un peu de revenir sur du MC. Bye monsieur LOL, à plus. Joues-tu à Roblox? Ah non, du tout, j'aime pas du tout ce jeu. Heureusement qu'il y a de l'air qui passe, sinon on peut pas respirer. Ah oui, c'est vrai, je ferais. Mais déjà, même avec le masque qu'on a, moi je respire pas, hein, pour information, le masque actuel. Là, donc, il va respecter le... C'est bien. J'avais peur qu'il respecte pas le truc. Paulanagas. Non, c'est... Paulanegra... Poranagras. Voilà, ça se dit comme ça. Hein. Je partage l'avis de Christophe qui nous présente un bon contenu, c'est varié. Personnellement, j'aime bien. Bah écoute, hein, merci les gars. Ça fait super plaisir des encouragements comme cela, comme ceci. Ça me donne envie d'encore faire plus de contenu en stream, tu vois. Ça me donne encore envie de plus faire de jeux, des trucs comme ça. D'ailleurs, dites-moi. Enfin, j'avais une question. En tout cas, enfin, déjà, je vais répondre à tes commentaires, hein, tant que je m'emballe. Merci en tout cas, c'est super cool. Et j'essaye de faire de mon mieux, tout simplement. J'essaye de rester moi-même. Déjà, c'est très important de rester toujours soi-même. Bon, des fois, il faut un peu de changement, c'est clair. Mais on va dire, dans la façon de faire, la façon de présentation, c'est très important de rester le même. On remarquera sur YouTube actuellement, sur YouTube Game de maintenant, les anciennes personnes qu'on connaissait, des anciens YouTubeurs, on les a connus parce qu'on kiffait cette méthode, enfin leur méthode avec laquelle ils présentaient. Et du jour au lendemain, ils ont changé leur façon de faire. Donc, ce qui est différent pour moi. Voilà.
et j'essaye de pas faire les erreurs des autres personnes, tout simplement. Voilà. Le masque obligatoire dans le tramway. Tout à fait. Tu peux conduire le Iveco Urbanway dans la vraie vie? Non, je pourrais pas le conduire dans la vraie vie. J'ai pas le permis bus. En tout cas, les JT manquent de ouf. Ouais, ça manque tout ce qui est ce délire-là, Christophe. Mais je te le cache pas, bon, malheureusement, on en aura plus trop. Mais... faut faire avec. Faut faire avec. Tu sais mettre le gong, ouais. Voilà. Voilà. Et dire que tu as commencé avec des modes menu GTA 5. Tout à fait, Dylan. J'ai commencé avec du GTA 5, vous vous rendez compte? C'est immense. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il y a beaucoup de commentaires, hein, j'ai du mal à suivre. Pour info, il me semble que le JT de l'année dernière sont sur la chaîne du grand effort patron. Tout à fait, JT, ils y sont, ouais, ils y sont toujours, hein, pour info. Pourrais-tu faire du fret sur TSW2? À l'occasion, quand on aura des lives chill sur TSW, on en fera, ouais. Promis. Je voulais savoir, est-ce que vous connaissez le jeu Red Dead Redemption comme GTA? J'aime beaucoup y jouer en ce moment, je fais le mode solo. Je voulais savoir si vous, ça vous plairait des fois que je fasse des petits lives chill. Alors, en fait, je vous explique pourquoi, parce que j'aime beaucoup jouer à ce jeu. Et si je peux vous partager un petit peu mes games, entre guillemets, un petit peu plus chill, où on peut parler vraiment de tout, tout ça. Voilà, des fois, je vais faire des jeux qui n'est pas forcément à ma chaîne YouTube, des jeux qui ne sont pas forcément de simulation. Du style, des fois, il y aura peut-être du Call of, il y aura du Red Dead Redemption, il y aura du Farming 22 qui va arriver le mois prochain. Bah ce mois-ci, le 22 novembre, on aura Farming avec Cool Sharks, pour information. Peut-être pas avec Cool Sharks, je vais voir, mais pour l'instant je vais tester le jeu Farming 2022, on va voir ce que ça donne. Et puis voilà, tout simplement. Le feu est vert, on n'a pas de... voilà. C'est dommage que tu aimes pas Roblox car il y a de super jeux ferroviaires comme SCR. Ouais, mais j'ai du mal avec Roblox, honnêtement. Sac de Winnie, d'accord. Qu'est-ce que tu en penses de l'évolution de Tram Sim maintenant? Ils vont sortir Tram Sim Unique. Ils l'ont déjà sorti, Nabil, bientôt. Enfin, d'ailleurs, je crois qu'il sort bientôt. Honnêtement, il y a ce jeu est très sympa. J'aime beaucoup ce jeu. Il y a eu de l'évolution parce que quand je l'ai testé la dernière fois, il y a peut-être 3 mois, 4 mois, un truc comme ça, le jeu était pourri. Enfin, était pourri, attention. C'est un grand mot. Il était encore qu'en bêta. Mais ils ont vraiment progressé sur pas mal de choses et il y a pas mal de choses qui vont arriver au niveau des graphismes, tout ça. Donc franchement, je pense que c'est un jeu qui va évoluer et j'aime beaucoup. Au niveau de la conduite du tramway, je pense qu'il est complet. À voir après, à faire plus de scénarios, les choses comme ça, je pense que ça serait pas mal. Voilà. Mais en tout cas, il y a de l'avenir sur ce jeu, oui, tout à fait. J'espère en tout cas. Je vais te laisser, monsieur Lal, à demain. Je m'élève à 2h30, chauffeur poids lourd en frigorifique. Faut se lever tôt pour livrer. Ah bah écoute, en tout cas Geoffrey, je te souhaite une excellente soirée et un bon courage pour toi demain. Bon courage et puis j'espère en tout cas que tu seras en forme. Tu joues à la manette ou au clavier? Non, je joue pour information au clavier. Alors, monsieur Lol, votre conduite est super géniale. Bah merci beaucoup, c'est très sympa de ta part. Tu peux faire une vidéo vlog conducteur de bus Irisbus Citylis 12 en réel ou dans le jeu? Ouais, ça j'ai répondu. Voilà. Alors vous avez vu, la ligne est quand même longue. Hein. Et il y a deux lignes. Déjà cette ligne elle est déjà longue. Parce que là je m'y repars plus. Là. Je suis sur console holo et PC c'est pas compatible. Ouais, c'est pas compatible, c'est clair. Ouais, parce que c'est pas la même base de données, donc... en vraie vie, écoute, on verra. Hop, ça va être vert. Bonsoir à toi, Vivi, comment tu vas? Nouveau TGV 2024. Ouais, il y en a un nouveau. Ah, on rentre dans le tunnel, les amis, pour information. On rentre dans le tunnel. Vous allez voir, la signalisation est différente. Dis-moi, Johan, quelle est ta question?
Quand ces jeux vont évoluer comme The Bus, on va jeter Homecy 2. Mais on verra si Homecy 2 sera à la hauteur, hein, j'ai envie de te dire. Si les autres jeux seront à la hauteur, mais bon. À voir. J'ai envie de te dire à voir. S'arrêter à la barre jaune. Dommage que Warzone n'est pas compatible PC console perso en mode snipe. Ah, tu veux dire qu'on peut pas jouer ensemble? Ah, bah si, on peut jouer ensemble sur. Tu veux dire que tu veux dire dans quel sens, Christophe? Que un joueur PC et console peut pas jouer sur ensemble ou c'est, je sais pas. Normalement, on peut jouer ensemble. Moi, je jouais avec un mec de la Play. J'aime bien les TGV. Ouais, j'aime bien les TGV, j'aime bien les TER aussi. C'est quoi la rame du tramway? C'est la Flexity. Prochain arrêt, je vous montre comment il est extérieurement. Es-tu le frère de la chaîne WWE, fan de France, car il te ressemble beaucoup? Non, je le connais pas. Apparemment, il me ressemble, j'irai voir ça. Pourquoi Tram Save n'est pas disponible sur console? Bah, parce que je pense que les créateurs ont pas. Peut-être que le jeu n'allait pas assez se vendre sur console et ça doit coûter cher sur console, je pense, tu sais. Tout simplement. À voir. Ouais, c'est vrai qu'on dirait un métro. Bonjour, messieurs, dames. Können Sie mir bitte aus dem Weg gehen? D'accord, ok. Ah oui, parce qu'en fait. Können Sie mich bitte vorbeilassen? Ah oui, quand tu les gênes et tout. Du coup, ça, c'est le réseau, si je comprends bien. Là, on a le réseau. On dirait Paris. Ah non, je sais pas c'est laquelle. Voilà, ça, c'est toute notre ligne, ça, en fait. Si je comprends bien. Marrant. Donc voilà comment il est le tramway, pour info. Il est comme ça. Perso, je le trouve pas très beau. Bonjour, monsieur. Alors, je te laisse, je vais me coucher. Bonne nuit. Ben, salut à toi, TCL. Bonne nuit à vous. Salut, tu joues au joystick? Non, là, je joue sur... Attends, je te montre. Je joue sur clavier, pour information. C'est parti, on y va. Ok, PL, pas de soucis. Je suis sur Xbox. Play, j'aime pas. J'ai jamais aimé. Ah, chacun ses... chacun ses trucs, hein, Christophe. Moi, je suis plus Play que Xbox, tu vois. Salut, Framcoop. Salut, Computer, comment tu vois. Tu connais Minecraft? Bah, qui connaît pas Minecraft? J'y ai joué, mais il y a très longtemps. Déjà monté. Ouais. Oh, tu es déjà monté dans un Stylus 18 ou un Evico? Oui, bien sûr. J'ai tellement de monde Shadow Snake que je sais pas du tout, je m'en rappelle plus trop, tu sais. Salut Solol, comment tu vas? Salut à toi Aldu, ça va très bien et toi? Salut à toi Louis. Donc là on est du coup toujours en souterrain, on arrive bientôt au terminus, hein, pour information. Je voudrais essayer de faire la ligne 2 après. Là, le feu est rouge, hein, pour information. On a un collègue qui arrive. Ça c'est cool, ça. Ah oui, c'est vrai qu'il faut mettre les clignotants dans le jeu, à chaque fois j'oublie.
clignotant. On peut mettre même les warnings. Voilà, pour dire qu'on est en station. Alors, j'ai jamais compris à quoi sert mettre un clignotant. Nous, on n'en a pas de clignotant. Si tu connaissais Cambronne. La station Cambronne, ouais, je connais. Allez, on sort du souterrain. D'ailleurs, j'ai pris le bus et ça a fini en patinage artistique. Le bus est parti. Ah! Ça. Il faut savoir piloter, hein, mon petit Christophe. Hein. Moi aussi j'aime bien les trams, tu pourrais faire plus de vidéos. Eh ben écoute, franchement, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien ce jeu, donc ouais, il y a de fortes chances que je fasse un peu plus de vidéos là-dessus. Ça fait vraiment métro, ouais, tout à fait, c'est clair. On arrive bientôt, ouais, on y arrive bientôt là. Salut à toi Kevin, comment tu vas? Est-ce que tu connais Protonbus? Oui, je connais. Le tram que tu conduis, il est très récent, 2019-2020. D'accord, donc il existe en vrai, d'accord. Faudrait que je regarde des vidéos sur YouTube, comment il est. Parce que c'est vrai que ça m'a jamais... je me suis jamais posé la question. En tout cas, bah du coup, j'irai voir après. Oh, piéton, là. Recule. Bon, bah désolé les amis, hein, vous connaissez, hein, le jeu il a du bug. Bah oui, collision avec un humain, bah oui, bah il avait qu'à se... Il avait qu'à... partir. Qu'est-ce qu'il fait lui? Vas-y, passe. Bah oui, t'es en plein milieu de la voie et tout. Ah oh là là. Pas intelligent lui. Est-ce que tu as bu si... Simulateur 2021. Non, je n'aime pas du tout ce jeu. Je n'aime pas ce jeu, je le trouve arcade, je le trouve pas réaliste en fait. A plus, Tabi. Franchement, ce jeu est très sympa, honnêtement. Aujourd'hui, il y a un man qui est sorti sur Protonbus, d'accord. Oh, je te le dis, j'aime pas du tout ce jeu Protonbus. On est d'accord que le haptis du bus à col 6 est dégueu. Ah oui, mais je suis d'accord avec toi, je l'ai vu l'autre jour. Je l'ai vu dans la. Parce que j'étais en voiture, je l'ai vu passer sur l'avenue du Château, enfin, l'avenue de Paris, pardon, l'avenue de Paris entre Vincennes et. Enfin, entre Château de Vincennes et Porte de Vincennes. Ah oui, il est dégueulasse. Ah ouais, non, il est moche. J'ai dit, comment on peut mettre des bus moches comme ça là? Ah, il est vraiment moche. J'arrive pas à enregistrer mes lives sur Twitch. Tu peux m'aider après? Je pourrais pas t'aider après, frérot. Parce que après, il faut que je parte. Et regarde des tutos sur internet. Et puis, déjà, ça, je crois que ça ne marche plus pour enregistrer les lives. Parce que même moi, ça ne le fait plus.
Bah on arrive au terminus les amis pour info. Je suis en train de voir là l'instant là. Stefan Fadinger Platz. Umsteigzug 15A. 65A. Wir sind am Ziel. Les caténaires, ils montent les piliers, je crois. Là-haut. En fait, ça fait une boucle. Voilà. On arrive. Est-ce que aussi deux, il y a un bus articulé Mercedes Citaro? Oui, il existe, oui. Allez hop, terminus. On démarre dans combien de temps? Chut, dans une minute. Ah oui, on n'a pas le temps. Bon, on va faire l'autre. Oh, on va faire l'autre ligne. Ah mais j'ai le droit d'être là, non? On va aller faire l'autre ligne du coup. Ok, ça c'est good. Allez, retour au menu principal. Continuer. 1h04. Hein. Eh, presque une heure, hein, le... monde ouvert, route 2, option avancée, start-up véhicule. Start-up allumé, désactivé. Non, on va l'allumer. Alors, j'aime bien les nouvelles rames de la T9. Ouais, avec les lumières qui sont au-dessus, elles sont vraiment sympas. Ça, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Hop. Ouais, du coup, j'avais oublié de vous dire, j'ai envie de vous présenter le Red Dead Redemption. Ah, c'est marrant, on allume le tramway. Par contre, ça, je sais pas du tout quelle ligne on fait. Ça, j'en ai manuel dead. Ah bah, il te le dit là. Alors, après un démarrage réussi, l'appareil Ibis du véhicule doit habituellement être réglé. Lui aussi, avant une nouvelle tournée. Si l'appareil Ibis n'est pas réglé, le message inactif s'affichera. Inactive, ok. Appuyez sur n'importe quelle touche de l'appareil Ibis pour cacher le message inactif et continuer. D'accord. La première chose à faire est d'indiquer une ligne à l'aide d'un code à 5 chiffres. Ok. Une ligne valide, 10-142, ok, apparaît déjà en suggestion. 15-15, ok, d'accord, moi c'est ça. Cette fonctionnalité est utile dès lors qu'il est nécessaire de choisir. Ok. Si la ligne est désirée et sélectionnée, confirmez la suggestion en appuyant sur le bouton Eling. Enfin, Eng, ok. D'accord. Ensuite, vous devez saisir le numéro personnel dans l'appareil Ibis. Réfléchissez à un nombre de votre choix. Bah écoutez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Et le bouton ING. Voilà. Une fois cela fait, sur le bouton ZIEL pour sélectionner une cible, à l'aide des deux touches fléchées, vous pouvez basculer... d'une cible à l'autre. Confirmez la cible sélectionnée en appuyant sur le bouton ING. Ok, ça c'est fait. Ziel Fratsch. Ok. Ok, d'accord. Eh ben écoute, apparemment c'est configuré. Très bien. Très bien, très bien. Bah écoute, on peut y aller. Allez, c'est parti, on va aller se mettre en quai. Tac. Pourquoi je peux pas partir? Il doit y avoir un frein de parc quelque part. J'ai jamais fait ça. Hop. Il doit y avoir un frein de parc quelque part.
Ça, c'est la lumière cabine, ok. C'est le P là que je veux enlever là. Un truc genre lui averber changera de RAM, c'est des mi. Ouais, il y aura des nouvelles RAM apparemment. Apparemment, il y aura des nouvelles RAM. Hop là. Là, j'ai appuyé sur n'importe quel bouton, il est parti. Je suis mort. On va se mettre en quai. Alors, aujourd'hui, je connais que 3 youtubeurs qui jouent encore MC2. Ah, lesquels? Dis-moi. Dis-moi tout. Les clignotants sont là car le tram n'est pas un site propre intégral et mélangé à la circulation routière. Cela dépend des réglementations des pays. Ouais, tout à fait. Merci en tout cas de ton commentaire. C'est très sympa. Donc, je vais essayer de respecter les clignotants. J'y vais, bonne soirée Lolo. Bah salut à toi Dylan, bonne soirée à toi, à bientôt. Monsieur LOL, mon compte Discord a été hacké et ça a envoyé plein de liens dans ton serve. Comment je peux faire comment me faire des bans off? Bah écoute, là-dessus, on pourra rien y faire, Royal Kin. La seule chose, c'est que... Faut que tu changes ton... Je sais plus comment ça s'appelle. Mais là-dessus, si je pourrais plus t'aider là-dessus. Parce que ça veut dire que maintenant Discord, il sait que tu t'es fait hacker, donc il pourra plus... voilà. Tu pourras plus revenir, sorry. Est-ce que tu aimes les nouvelles RAM qui vont rouler sur le RDE? Ouais, j'ai vu qu'ils étaient dans le nord là pour l'instant et j'ai hâte qu'ils se mettent en place. Salut The Star, comment tu vas? T'es au courant que Max. Ouais, merde, je me suis arrêté. Ah, il live? Ok, pas de soucis. No problem. Oh, je le connais pas lui donc. Tecmon, je connais par contre. Ouais. On va se mettre en place. Bonjour, monsieur, dame. Hop là, comme ceci. Ah. Pourquoi les portes ne veulent pas s'ouvrir? Tac, tac. Ça, c'est par rapport à ça, je crois. Voilà, c'était ça. Alors, Francimu, tu connais? Bah, bien sûr que je connais Francimu, c'est un pote à moi. Je le connais très bien, Francimu. Je le connais très bien, mon petit Francimu. Écoutez, c'est parti, on y va. Ah oui, on est là, ok. Ah, mais on était là tout à l'heure déjà. Faudrait qu'on teste l'autre tramway. Ah, j'aurais dû prendre l'autre tramway peut-être, mais c'est pas grave. De toute façon les amis, je vous avais dit que le live allait pas durer longtemps. On fait encore quelques stations et après ça sera la fin du stream, les potos. Je suis désolé, c'est que je suis un petit peu fatigué et demain je me réveille tôt. Ce soir c'était juste un petit live chill. Encore quelques arrêts, ça sera la fin du stream, mes potos. Mais vous inquiétez pas, dans la semaine, je vais essayer de vous faire Train Simworld 2, excusez-moi. Je vous ferai Train Simworld 2. Salut Lolo, ça va? Salut Fate, comment tu vas? Merci en tout cas de me comprendre. Ne vous inquiétez pas, vous avez vu, je suis de plus en plus là en ce moment. Je sais pas si on peut avoir un... Ah ouais, j'ai mis le jeu en pause. En pause, je sais pas. On n'a pas de map... Ouais, on n'a pas de map... la carte, on n'a pas la carte de la map sur le jeu.
Allez hop, c'est un peu bizarre de conduire face aux voitures comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est un peu dérangeant, je le cache pas. Mais bon, après on s'y fait, hein. Sur tout ce qui est tramway, tout ça, on s'y fait. Donc là-dessus, j'ai envie de te dire, c'est pas un problème. Salut, est-ce que dans la vraie vie, tu es conducteur? Non, pas encore, enfin j'espère. Salut à toi Dora, comment tu vas? Hop, on bloque les portes, ça va être vert avec le A, le feu. C'est parti, on y va. Très sympa ce jeu, je vous le conseille énormément. Et putain, il est chaud lui. C'est un ouf. T'as déjà conduit le crossway sur Rumsy? Ouais, je l'ai déjà conduit, ouais. J'avais même fait une vidéo d'ailleurs sur le crossway. T'as eu chaud, hein? Ah ouais, le mec il est fou, le mec en face. J'ai failli me le manger. Bonsoir Sacha, comment tu vas? Ah ouais, le mec de tout à l'heure là, il... Ça c'est un conducteur de Audi. Ça m'étonne pas. C'est les conducteurs de Audi qui font ça. Non, je rigole. En fait, c'est la même ligne que tout à l'heure, j'ai l'impression. Peut-être qu'on va passer ailleurs, quoi, c'est tout. Attends que les feux soient verts, hein. Je vous rappelle, hein, les trois traits horizontaux, ça veut dire que c'est rouge, et les deux traits verticaux, ça veut dire qu'on peut y aller. C'est simple, hein, c'est comme si c'était une barre, tout droit, et la barre. Alors, ça le petit chauffeur. Ouais, non, mais c'est clair. J'ai trouvé ma solution pour le petit Domsi. Je sais pas si tu te souviens. Bah, dis-moi, Sacha, si tu as réussi un petit peu à avoir quelque chose, dis-nous tout. Tu connais Metro Simulator Beta? Non. Je sais que j'ai vu que, par contre, il y avait un simulateur de métro japonais qui était sorti il y a pas longtemps. Mais ça me dit rien, honnêtement. Oui, la ligne 1 sont pareilles, mais pas le même nombre de kilomètres. Ah! D'accord, en fait c'est la même ligne qu'on fait. Ok, d'accord, bah, je savais pas. Merci à toi Johan de l'info. Salut à toi Dora. Putain, par contre il y a beaucoup de feux rouges, hein, dans le jeu, hein. Ça va être vert normalement. Ça va être à nous là. Ah non, c'est les bonhommes sont verts, ok. C'est très court la ligne. Ouais, la ligne elle doit être très courte. Bon, de toute façon, comme j'ai dit, hein, les amis, hein, on arrive bientôt de toute façon à la fin du stream. Salut à toi Mathias, comment tu vas? Ça fait longtemps. Allez, ça va être vert. J'aime bien des fois avancer tout doucement. Allez hop, c'est vert. Il n'y a pas de conducteur fou. Alors, du coup, en fait, hier, je t'avais demandé 2-3 trucs. Pour le petit, j'avais déjà téléchargé 4GB patch. Mais j'ai dû le retélécharger, donc ça va mieux. Ah, peut-être que tu l'avais... Tu sais, des fois, quand tu fais des mises à jour ROM6, il s'enlève. Et peut-être que des fois, bah, ça te l'a remis. Bon, en tout cas, je suis content que ça marche pour toi. Et j'espère que tu as pu un petit peu plus profiter du jeu, quoi. Mais t'as vu, ça marche bien, hein, le 4GB patch, hein, pour info. Hein. Ouais, ça fait un bail. Je faisais quelque chose.
peux regarder pour moi la ressemblance et tu me diras en privé. Tu parles de quoi, Yuan? Alors, passage piéton en arc-en-ciel, ouais, c'est clair. Comme tu dis. Quand tu vas faire une vidéo Euro Truck, bientôt on essaiera de faire un convoi sur ETS2. Bientôt. On essaiera d'en faire un bientôt. Monsieur LOL, tu vas dormir. Ouais, bientôt. Ah bah c'est beaucoup mieux que GPM. Ah oui, tu trouves. Tu vas tester TSW2 Rush Hour. C'est sur quoi déjà le cas? C'est lequel Rush Hour? C'est quoi? De toi et de l'autre youtubeur. J'ai pas compris, Yuan, de ce que tu me dis avec les autres youtubeurs. De toi et l'autre youtubeur, tu peux regarder pour moi la ressemblance et tu me dis ça en privé. On parle de quel youtubeur, c'est-à-dire, j'ai pas compris. Sur TSW2. Ouais, mais c'est quoi Rush Hour? C'est quoi? C'est une map? C'est quoi? C'est un DLC? C'est quoi? Ah oui, tu m'avais expliqué tout à l'heure la ressemblance. Ok, bah j'irai voir. Promis, je vais aller voir tout à l'heure. Je te dirai ça. Les amis, prochaine station, ça sera le terminus pour information. Ok, on fait ça. Comme ça, on va clôturer le live. C'était de toute façon, c'était comme si c'était un petit live chill hein, ce soir. Hein, je vous l'avais dit, vous inquiétez pas, il y aura d'autres streams à venir cette semaine. Voilà, pas de soucis à ce niveau-là, les potos. On attend que le feu soit vert. En tout cas, j'espère que ce petit jeu vous aura plu, les frérots. Allez, le feu. Je le vois au loin en fait, hein, il est là-bas. Là pour l'instant il y a les trois traits. Et voilà, c'est parti, on y va. Vous le voyez sur la droite, il y a les deux traits. À chaque intersection, on a le feu rouge, quoi. C'est un grand DLC avec 3-4 américaines, anglaises et allemandes. Ok, je regarderai ça, Lucas. Après, je vais voir. Mais, je vais voir ça. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce que tu fais, frère? Je m'en fous de ton téléphone. Là, pousse-toi. Merde. Pousse-toi. Alors on va devoir se le manger, le piéton. Il veut se suicider, je sais pas ce qu'il veut faire. Enfin bref. Alors. Ça va et toi, Louis? Bon bah écoutez. On va se manger le... Oh, putain. On va se le manger, lui. Tu sais que tu as des pastilles jaunes sur chaque arrêt. Plus tu rapproches, plus tu gagnes des points. Ouais, tout à fait, Yon. Je savais qu'il y avait des pastilles jaunes. J'essaye de m'arrêter tout le temps aux pastilles jaunes. Qu'est-ce qu'il y a de marron? Hop là, on va s'arrêter là pour ce soir, les frérots. Salut à toi, Alors, j'arrive pas à prononcer ton pseudo, désolé. Laoucine, voilà, excuse-moi. Hop. Et voilà, tac, bon. Les amis, on est arrivé actuellement. Pour moi, c'est le terminus. Pour vous aussi, j'ai envie de vous dire qu'on y est. Du coup, ce soir, ça sera la fin. Pour l'instant, ça sera la fin du stream. Voilà, j'ai décidé d'arrêter maintenant. Parce que voilà, après, comme je vous ai dit, demain matin, je me réveille tôt. Donc voilà. Comme je vous ai dit, des fois, je vous ferai des petits streams un petit peu chill. Hein, des fois, voilà. Prochain stream que je vais lancer, donc à voir quand est-ce que je le ferai cette semaine, faut que je m'organise.
Ça sera sur TSW, ok. Ça sera sur Train Sim World 2 avec London Faversham. Je ne vous l'ai pas encore fait celle-là. Elle est superbe qu'en ligne. On fera toute une soirée sur London Faversham, d'accord. Voilà en tout cas les amis, en tout cas j'espère que ça vous aura plu pour ce soir. J'espère en tout cas que le jeu vous aura plu. Moi personnellement il m'a beaucoup plu. Et dites-moi si vous voulez que je fasse peut-être plus de vidéos sur ce jeu ou plus de live. N'hésitez pas à me le dire parce que moi personnellement je pensais que le jeu allait bugger ce soir. Hein, c'est pour ça que de base je vous faisais pas stream dessus. Et finalement en fait le jeu se comporte très bien. Donc voilà. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir été là pour ce soir, les frérots. Dont la Britain Main Line, London Britain via aéroport de Gatwick. C'est ça, Locas, on fera ça, tout à fait. Demain, il y a quoi? Je sais pas encore si demain soir je stream, un peu de repos pour moi. Il y aura, donc là, je vous fais par ordre, il y aura du Train Sim World, il y aura du The Bus, et après, on essaiera de tourner. En fait, si vous voulez un live, on essaye de gérer sur ça. D'accord, on fait ça? Voilà, en tout cas merci à tous d'avoir été sur le stream de ce soir, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à regarder la rediffusion pour ceux et celles qui veulent la voir, hein, tout simplement. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire. Hop, bah écoutez, pour moi ça va se finir actuellement. Ah oui, il y aura aussi un stream Eurotruck dans les semaines, dans les jours à venir, voilà. Bon les amis, c'était Monsieur LOL, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, ça me ferait super plaisir. Je vais y aller parce que j'ai pas envie d'y aller parce que j'aime beaucoup stream, mais bon, voilà. Demain il y a boulot et faut y aller. Voilà. En tout cas les amis, merci à tous d'avoir été là sur le stream de ce soir. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. Je vous dis à bientôt dans les jours à venir. Voilà, c'était la fin, c'était Monsieur LOL. Gros bisous à tous, merci à tous d'être là. Et la rediffusion sera disponible après. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et bon game, mes amis, ciao.